Salut, alors aujourd'hui ce qu'on va faire, puisqu'on est toujours en confinement, donc on s'occupe. Alors là, je voudrais rajouter une prise sur mon extérieur, mais du coup, le seul piquage que j'ai trouvé à proximité, c'est ici. Et comme tu vois, c'est assez particulier. Je ne sais pas, franchement, quel est le genre d'électricien qui a fait ça. Franchement, c'est pas beau, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est... Regarde, je vais te montrer. Hop! Tu vois, donc si je sais pas si tu vois dedans, c'est vraiment voilà le trou dans le placo, tous les branchements à l'arrache à l'intérieur. Voilà, et puis après ça part comme ça là. Enfin, tu vois, bon, je comprends pas quoi. Là, il y a une prise de l'autre côté du placo. Là, c'est le même délire, il y a une prise là-bas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais sortir les câbles qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre une boîte de dérivation. Voilà, que ça soit propre. Et après, je me repiquerai dessus pour pouvoir mettre mon branchement de prise extérieure. Voilà. Donc écoute, on va voir ça ensemble. Alors, ce qu'il faut faire au préalable, je te le dis, hein, c'est ni un tuto, ni je te montre comment on doit faire. Hein. Ça, c'est moi qui le fais. Je le fais comme je le fais. Je ne suis pas un professionnel d'électricité, donc ne fais pas comme moi. Je te le déconseille. Voilà. Passe plutôt par un professionnel si tu ne sais pas faire. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vais faire ça et puis je vais te filmer ça. Ah, mais c'est pas le bon tournevis. Alors, le courant est débranché, évidemment. On ne travaille jamais sous tension, c'est hyper dangereux. Tu peux mourir, quoi! Là, je vais débrancher tous les câbles pour pouvoir sortir ça, parce que en fait l'arrivée se fait là. Ah, regarde mes superbes chaussures, magnifiques chaussures. Donc l'arrivée d'électricité des deux prises que je t'ai montré au départ là, se fait par là. Après un petit trou, histoire de dire voilà, je sais pas pourquoi. Tu vois, enfin, à quel moment un électricien professionnel fait ça? À quel moment? Franchement, je me pose la question. Bon, bref. Donc, du coup, je vais après sortir ça. Et franchement, je vais sortir ça aussi. Je trouve ça complètement débile, mais bon. Mais le mec a dû se faire chier. Ça, c'est mon arrivée. Ça, c'est la prise là-bas. Ça, c'est la prise là-bas. Donc là, on a tout à nu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ma boîte de dérivation ici. Donc pour ce faire, je vais faire une coupure et je vais aller chercher les accessoires. Voilà, je reviens. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est une boîte de dérivation, toute basique. Ça, c'est une dead flex. Ça sert à rien d'aller acheter des grosses marques. C'est une boîte de dérivation, hein. C'est du plastique. Voilà, et ça ira très bien pour ce qu'on va faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Si j'y arrive, voilà. Dedans, tu as un petit peu de documentation technique. Voilà, je t'explique un peu comment tu l'installes. Moi, je vais faire deux petits trous.
pour le fixer au mur. Tu vois, voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités d'arrivée de câble. Et ici, il n'y en a qu'une. Donc, à la base, en fait, celle-là, si la face où il n'y en a qu'une, c'est normalement censé être l'arrivée d'électricité. Et après, ça, c'est les dispatchs. Donc, tu vas où tu veux, en fait. Voilà. Donc, moi, je vais faire arriver d'en bas l'arrivée d'électricité par là. Donc, pour ce faire, déjà, je vais percer les préfixations. Comme ça, j'aurai mon... repère pour faire les trous. Là, voilà, tu vois. Je vais le placer. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au gros trou, au-dessus du gros trou, si j'y arrive. Parce que ça... Alors, comme d'habitude, je suis avec mon fils. Hein. C'est lui qui me filme. Hein. C'est pratique. Ouais, voilà, à l'ancienne. Alors, des chevilles à placo. Et donc, petite technique. J'ai oublié la pince en bas. J'ai franchement pas envie de descendre. Donc, du coup, je vais l'expanser en la vissant. Tu peux le faire comme ça aussi. Voilà. Donc là, en fait, je suis en train de visser et je suis en train d'écraser la pâte à l'arrière qui va donc du coup bloquer. C'est une technique comme une autre. Je te la donne, t'en fais ce que t'en veux. Maintenant, c'est sûr que c'est plus pratique d'utiliser la pince. Mais la pince, je l'ai pas, elle est en bas et j'ai pas envie de redescendre. C'est la flemme, ça. Légèrement à l'arrache. Bon, ça marche bien. Voilà, donc mon arrivée en bas toujours. Hein, voilà. Il reste plus qu'à visser. J'ai oublié d'ouvrir les côtés parce qu'une fois que c'est monté, c'est plus compliqué. Donc du coup, en bas, j'ai mon arrivée. Là, j'ai la prise qui est ici. Et là, il y aura la prise qui est là. Allez, donc avec un petit cutter, tu ouvres. Et voilà. Donc du coup, maintenant, ben, je peux le visser. Là tu me diras, ouais, est-ce que tu vas boucher les trous ou pas? En fait non, je vais pas les boucher pour la bonne et simple raison, c'est que là je suis dans une cave, donc il n'y a pas grand intérêt à dans un grenier quoi. Du coup je reboucherai pas parce que c'est juste uniquement esthétique. Après, au niveau du pont thermique, peut-être je rajouterai un petit peu de laine. Mais c'est tout. Voilà. Et puis, si un jour il me vient l'idée d'aménager cet espace, oui, là je boucherai, je ferai un enduit, je ratisserai, voilà, mais pour l'instant, non. Et voilà! C'est posé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer les câbles dans notre trou. Et je te rappelle qu'on travaille avec l'électricité off coupée. Hein, voilà. Alors, ce qu'on va utiliser pour raccorder tout ça, un peu plus moderne, on va utiliser des raccords Wago, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, c'est le raccord qui remplace ça. Voilà. C'est bien plus pratique, c'est automatique, hop, tu clipses et c'est bloqué.
Après, sur ces modèles-là, tu peux pas les retirer facilement. Tu peux, mais il faut forcer quand même à l'aide. Sinon, tu as des modèles avec des petits clapets qui ouvrent pour déclencher la sortie. Voilà. Bon, là, on va mettre le raccord à l'arrivée. Hop. Donc, en fait, il n'y a qu'à enfoncer. Et tu vois, ça bloque automatiquement. Alors, c'est un raccord par câble. Hein, d'accord? Il ne faut pas mélanger tous les fils, la phase, le neutre et la terre, sur le même raccord. Hein. Ça fait l'effet d'un domino classique. Hein. Voilà. Hein. Alors tu vois là, il y a deux couleurs différentes. Tu vois? Donc pour la phase, en fait, tu peux avoir des couleurs différentes du rouge en fait. Tu peux avoir du noir, du orange, du marron, tu vois. Les deux seules couleurs qui bougeront jamais en fait, c'est la terre. La terre, ça sera toujours jaune et vert. Voilà, c'est deux couleurs, jaune et vert. Et le neutre sera toujours bleu en fait. Voilà. Donc le neutre bleu et la face peut être de différentes couleurs. Voilà. Donc là, tu vois du noir et du rouge, c'est normal. Donc voilà, donc tu vois, neutre avec neutre, phase avec phase et terre avec terre. Voilà, donc là tout est connecté et puis il me restera deux petites connexions. Et donc il me restera en fait une connexion pour pouvoir mettre ma nouvelle prise que je mettrai mais pas maintenant. Voilà. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a mis quelque chose de propre, quelque chose de normé. Voilà, entre guillemets quoi. Ouais, j'ai toujours travaillé avec le courant coupé. Voilà. Là je te ferme la boîte. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. On est carrément plus propre qu'au départ. Mais tu vois, là, j'ai oublié de sortir le machin qui faisait un zigzag. Donc voilà. Là, c'est bien. Là, j'aurai maintenant la possibilité de brancher mon autre prise. Voilà. Bon, mais écoute, je te laisse profiter de ta journée, de ta nuit. Je sais pas quand est-ce que tu regardes les vidéos. Voilà. Et puis, on se reverra la prochaine fois pour je ne sais quelle vidéo. Je ne sais pas encore. On verra. J'ai pas de planning. Pas de planning, voilà. Allez, ciao !